Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Mais, Lynx. Comment osez-vous revenir dans cette ville? Partez d'ici. Il semble que le gamin ne soit pas bienvenu ici non plus. Les humains sont nos... Non? Dire qu'avant, ils faisaient des courbettes pour gagner les faveurs des Single Links. Ils cherchent sans plus quelqu'un ou quelque chose à blâmer à leur place. Quelle tristesse, voilà ce qu'on a fait de la statue de Maître Fib, que j'illustrais quotidiennement. Et le manoir qui était si majestueux a lui aussi disparu depuis le temps. Rien de tout cela ne serait arrivé si Maître Fib était ici. Oh, commandant Lynx, quel soulagement de vous voir sain et sauf. C'est l'arme dernier cri de l'arme de Parpoli. Tant qu'on aura ce petit bijou, les habitants de Tormine n'oseront pas se rebeller contre nous. Oh mon pauvre Skelly, je prie pour que tu ailles bien. Thomas se fait beaucoup de soucis depuis que l'armée de ce Parpoli a emmené son petit-fils. Elle l'aimait tellement. J'espère juste qu'il ne lui a rien arrivé. Vincent, le père de Van. Vous venez voir Van? Il est dans la pièce du fond. Vous pourriez frapper avant d'entrer. Vous êtes des touristes? Si vous voulez, je pourrais vous servir de guide. Il faudra me payer un petit quelque chose, bien sûr, mais vous y gagnerez. Ça vous dit d'engager? Excellent. C'est... Hein? Vous avez suffisamment de temps pour rembourser vos dettes, et je ne compte pas attendre plus. Soit vous me payez maintenant, soit vous quittez cette maison. Mais que va-t-en devenir, mon fils et moi? Ce ne sont pas mes affaires. Je compte transformer cet endroit pour y entreposer mes précieux trésors. Attendez, je vais vous rembourser. Mais, comme c'est touchant, comment vas-tu, mon petit Van? Combien as-tu réussi à économiser sur ton argent de poche? Très drôle, voici ce que j'ai. Ce n'est même pas suffisant pour rembourser les intérêts, mais c'est bien tenté. Attendez juste encore un peu. Je vous jure que vous aurez votre argent. Et que comptes-tu faire, mon petit Van?
C'est bien qu'il n'y a plus rien à faire. Je vais partir chercher la flamme gelée avec eux. Alors que je vous en supplie, attendez encore un peu. Écoute-toi parler. Tu n'es pas bête, mais tu es encore qu'un gamin. Il faut être naïf pour croire aux légendes comme celle de la flamme gelée. Mais c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Pas du tout. Je n'en reviens pas. Vous croyez vraiment à cette histoire? Vous êtes tous zinzins ou quoi? En même temps, la flamme gelée est censée être le trésor suprême. Même si ce n'est qu'une légende, ça reste tentant. Bon, je vais attendre encore un peu. Je vais voir cette flamme gelée quand je reviendrai. Et faites attention à ne pas vous brûler. Même si je doute que vous la trouviez. Quelle harpie! Elle profite de nous parce qu'on est pauvres. Si on avait de l'argent, rien de tout cela serait arrivé. Eva, ne dis pas n'importe quoi. Et puis ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'argent. Je ne veux rien entendre, papa. Où est-ce qu'on va vivre? Si on n'a plus d'argent, c'est parce que tu refuses de vendre les tableaux qui sont ici. Pardonne-moi, Van. Ces tableaux ne sont pas encore assez aboutis pour être vendus. Et puis, je ne souhaite vendre mes œuvres qu'à des gens qui comprennent mon travail. Bien. Alors, ça va être à moi de nous trouver un endroit où habiter. Ça vous amuse de nous regarder nous disputer? Il n'y a absolument rien à voir ici, alors inutile de rester. Merci. Merci d'avoir joué le jeu. Ce tableau est plutôt joli. Pourquoi personne ne l'achète? C'est vrai que papa ne se foule pas trop pour vendre ses œuvres et fait le malin et dit qu'il ne les cédera qu'à ceux qui comprennent son art. Ah là là, je crois qu'il va falloir que je trouve l'argent par moi-même. En voyant, ma tire et lire devrait être... Oui, elle est là. Mes sous sont là aussi. Maintenant, le plus dur va être de trouver un endroit où aller vivre. Ensuite, nous avons... la teinte de peinture créée par papa, le bleu El Nido. Peindre l'océan dans cette teinte lui donnera l'odeur de l'eau, de mer. C'est ce qu'on dit. Si j'étais papa, j'aurais vendu cette peinture et j'aurais fait fortune. Et pour terminer, ce coquillage. Maman, ce coquillage est le seul souvenir que je garde d'elle. Mais c'est les fêlés. On n'entend plus le bruit de la mer. Mais je m'en souviens parfaitement. C'est maman qui avait trouvé ce coquillage et qui l'avait collé contre mon oreille. Je me souviens de ce son, le bruit de la mer. J'avais piqué une crise de jour-là, parce que je n'avais pas pu rapporter le château de sable que j'avais construit à la maison. Et maintenant, on doit déménager de la maison dans laquelle on a vécu avec maman. Mais ne t'en fais pas, maman. Je prendrai bien soin de papa pour toi. Van a toujours eu du mal à supporter nos problèmes d'argent. Il a été privé de tellement de choses depuis qu'il est petit qu'il est devenu un peu cynique. Mais c'est un garçon qui a le cœur sur la main comme sa défunte mère. J'espère que je pourrai le laisser faire ce qui lui plaît un jour, comme les autres enfants de son âge. Vous êtes toujours ici? Vous avez besoin de quelque chose ou vous êtes ici pour acheter un tableau à mon père? Tu sais de ce dont tu as parlé? Nous cherchons la flamme gelée d'Averro, c'est vrai. Hein? Si c'est une blague, elle est de mauvais goût. À moins que vous essayiez de me remonter le moral. Ne me prenez pas pour un idiot parce que je suis un enfant. Je sais que ça n'existe pas. Ou peut-être que vous êtes tous un peu débiles. Tu es libre d'y croire ou pas.
Arrêtez de me regarder comme ça, on dirait ma mère. Je vois dans votre regard que vous dites la vérité. Mais je dois rester. Je ne peux pas laisser mon père ici tout seul et partir à l'aventure, même si c'est tentant. Je m'en sortirai, Evan. Et même si tu ne reviens pas avec la flamme gelée, ce n'est pas grave. Je veux que tu partes à l'aventure et que tu vois du pays. Rares sont les personnes qui sont heureuses en ce bas monde. Et même celles qui ont l'air ne sont parfois pas. Je veux que tu découvres par toi-même ce qu'être heureux signifie. Alors vas-y. Papa, Van, pense-moi à bien fermer la porte à clé le soir, d'accord? Il ne faudra pas qu'on te vole ces tableaux. C'est promis, fais bien attention à toi. Ou attends un peu. Prends ceci avec toi. Un boomerang? Papa, je ne pars pas m'amuser. Que veux-tu que je fasse avec un jouet? Ce n'est pas un jouet. Lors de ton périple, tu devras affronter des dangers en temps voulu. Cet objet devrait t'aider. En plus, un boomerang revient toujours quand on le lance. N'oublie surtout pas. Alors c'est une sorte de porte-bonheur. Je ne crois pas que c'est Ballyville. Mais je vais le prendre quand même, juste au cas où. Bon, il faut qu'on parte avant qu'elle revienne. Van, rejoins votre équipe. Voilà. Je te demande de veiller sur Cake Buggy pour moi. Vous avez besoin d'aide? C'est ce que je pensais. Vous n'avez sûrement trouvé aucun endroit correct pour faire vos achats, c'est ça? Rentre dans le mitril là-dedans. Ah, pas en endroit, je vais là, non.
Ouais, ça fait rien. Bon, ça devrait suffire. Cette forge a toujours fonctionné, ça va être triste de l'avoir éteinte. Je suis désolé, je ferme boutique pour réaliser mon rêve. Ziba, l'épouse des Zappas, tu en parles depuis des lustres. Alors, je ne veux pas t'entendre dire que tu fais une bêtise. Tout irait bien, mon chéri, alors. Tu pars pour de bon? Oui. Maintenant que je n'ai plus la forge, c'est le moment de finir ce qu'on a commencé il y a longtemps. Toi, tu attends ici que notre carche revienne. Ça fait 3 ans déjà et ça a été dur pour nous. Les hussards, nos meilleurs clients ont disparu et on a l'armée de palporis sur le dos. Vu la poisse qu'on a eue, ça ne peut qu'aller mieux et je suis sûr que notre fils va bien. Ouais. Papa Jou, ça faisait longtemps. Comment ça va au village? Ne t'en fais pas pour le village. Nous avons des problèmes bien plus importants. Vous n'êtes pas du coin, on dirait. L'arc-en-ciel, ça vous parle? C'est un matériau fantastique dont on peut faire à peu près n'importe quoi. Mon idée est d'aller en chercher, alors. Est-ce que je peux vous accompagner? Oui. Parfait, tenez, un petit quelque chose pour vous remercier. Utilisez ça quand vous voudrez. Je vous retrouverai et je vous filerai un coup de main. Où que vous soyez, parole de forgeron. Parchemin de forgeron. Zappa, rejoins votre équipe. Appelez-moi quand vous voulez, pas de soucis. Vous êtes des voyageurs, c'est ça? Vous n'auriez pas vu notre fils par hasard, il s'appelle Karch. Il est un peu ce poulet, mais c'est un bon garçon. C'est dur d'avoir le chevalier pour fils. On ne sait jamais ce qui peut lui arriver. Je me demande ce qui a bien pu se passer dans la mer morte. Si je pouvais revoir mon garçon. Désolé de vous miner le moral, mais si jamais vous le croisez, dites-lui de venir nous voir. Voilà, la forge est fermée. Vous pouvez faire appel à moi quand vous voulez. Je ne supporte pas de le voir comme ça. Maître Caporal C n'est plus le même depuis que son fils Karch a disparu. Il n'a plus la tête à travailler et regarde souvent par la fenêtre, la perdue. Ce n'est pas un gamin qui a la vague, la larme. C'est juste qu'il n'est plus lui-même. Je sais que je ne le devrais pas forgeron ici. Alors j'essaie de devenir négociant. Voulez-vous échanger quelque chose? Passez me voir si vous avez besoin de quelque chose. Pas de souci. À ce pas, il s'entraîne dur pour rejoindre le vent noir de Palpouri. Mais je me demande s'il ne dira pas un jour qu'il m'aime.
La clé du combat à l'arme à feu, ses équilibres, il ne suffit pas de tirer dans le tas. Et que c'est ce que m'a dit Messire Norris alors, je cours surtout pour m'entraîner à rester ceux qui vivent. Messire Norris a dû s'entraîner comme ça lui aussi. Moi j'adore les bateaux, malheureusement je ne peux pas devenir marin parce que j'ai mal de mer. C'est pour cela que j'ai décidé de devenir charpentier de marine et de fabriquer les bateaux les plus rapides et incroyables de tous les temps. J'observe tous les bateaux pour trouver l'inspiration. L'inspiration, toujours l'inspiration, c'est plutôt futé, non? Et de tous les bateaux que j'ai pu voir, c'est celui qui est à quai qui est le plus performant et rapide de tout. J'aimerais en construire un comme ça un jour. L'épée sacrée, Gis et guerrier, 13 hussards, Cassien, grand maître Garay, 14 hussards, Agassia, grand maître Dario. Garay, donne-moi, pardonne-moi. Que venez-vous faire ici? Ce n'est pas un endroit pour flâner. Les esprits qui hantent ces lieux se réveilleront si vous les dérangez. Les êtres vivants sont trop radieux pour les esprits. Hier soir encore, l'esprit d'un homme est apparu à mon chevet. Il s'appelait Ged, je crois. C'est sûrement une âme égarée, toujours attachée à ce monde. C'est très courant par ici. Mais ça ne vous concerne pas. Alors veuillez repartir d'ici. Pas de soucis, je ne pas. Je décale. Mais nous n'avons pas grand chose en ce moment, mais vous pouvez quand même jeter un coup d'œil. Chercher mon père, désolé. Il est parti cueillir des champignons dans la forêt. Je lui ai pourtant dit qu'on faisait l'inventaire demain. Je me demande quand il va rentrer. Ça m'énerve avec ces champignons. Un jour, il va se changer en champignon ou celui-là.
trouvais rien de ce côté-ci. Le commandant Norris est bien arrogant. Il a beau être jeune, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense sans prendre de pincettes. Il ne se détend jamais, je ne lui connais aucun loisir. C'est le meilleur élément de la division de Tormina, mais il se prend trop au sérieux. Même si je me défends, je n'arrive pas à me sortir ce mystère de la Terre. Voulez-vous écouter mon histoire? Ça ne s'est passé il y a 3 ans environ. Le général Ophid et ses hommes ont disparu du manoir. Nous avons fouillé tout le manoir, mais nous n'avons trouvé aucune trace d'eux. C'est comme s'il était volatilisé. Mais qu'a-t-il donc pu leur arriver? Dire qu'il pourrait m'arriver la même chose un jour. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur, même si j'essaie de ne pas y penser. Le feu du dragon, c'est un cran au-dessus du reste. Ça se boit comme un petit lait. Il y a aussi le plat de lézard séché, très rare et qui est délicieux, sans oublier la spécialité du coin, les pâtes aux viscères de calmar. Je sens que je vais prendre quelques kilos. Ça faisait quelque temps que je n'avais pas venu ici. C'est calme et paisible comparé au continent. En plus, je n'ai rien d'agréable qui m'attend là-bas. Peut-être que je devrais songer à m'installer. Mais c'est vous qui étiez dans le manoir de Messire Ophid, non? Partez d'ici. Notre magnifique ville de Tormina a sombré dans le chaos à cause de vous. Nous ne servons pas les gens comme vous ici. Ah, est-ce vous, commandant Lynx? Vous allez bien, vous étiez où tout ce temps? Un quai temporairement réservé à la marine a été fabriqué derrière moi. Personne ne peut passer sans l'autorisation du commandant Norris, même pas vous. Il se trouve dans les ruines du manoir Ophid, alors allez lui faire votre rapport immédiatement. Il n'y a pas grand-chose ici à comparer au continent, mais la vue est coupée le souffle. J'ai bien envie de venir m'installer ici pour profiter de la vie à la campagne. Pas très heureux, éviter de me gêner, pas de soucis. Le manoir Ophid. Le commandant Norris est arrivé, vous pouvez entrer. Cela doit bien faire 4 ans que j'ai quitté les Hussards. Comme le temps passe vite, j'ai été choqué d'apprendre la mort de Dario il y a 3 ans. Et voilà maintenant que le général et les autres ont disparu. Le manoir est en ruine. Je me suis décidé à mener l'enquête de mon côté, mais sans succès. Tout ce que je sais, c'est qu'un homme appelé Lynx a approché le général et l'a impliqué dans une sorte d'incident. La seule différence avec l'autre monde dont vous parlez, et qu'il est arrivé quelque chose au général il y a 3 ans. J'espère que ce fameux Norris sera quelque chose. Je n'étais au courant de rien. Je ne trouve pas ça divertissant.
La commanderie se trouve sous sol, vous pouvez passer par le puits. Pas de suite. Nous avons envoyé des hommes dans le triangle d'El Nido. On aurait vu un mystérieux rayon de lumière. Il paraît aussi qu'il y a un monstre au sommet de l'île Dragon des cieux. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien n'est vraiment stable par ici. Descendez le puits sur la droite pour rejoindre le sous-sol. Ce passage mène au sous-sol du manoir au fil. Le commandant Norris est au sous-sol, c'est par là. Papa a dit qu'il avait vu quelque chose de génial. Il a foncé dans cette grotte. Mais cet énorme rocher a dégringolé et maintenant papa est piégé à l'intérieur. Papa? Vérifier quelque chose. Je pense que c'est par là qu'il faut y aller. Le petit maudit. C'est vraiment la sortie qu'il faut prendre.
plaintes carnivores. Ta parouette. Jamais aux autres. Parapapa. Est-ce qu'il y a quelque chose pour faire exploser la roche? Maintenant, la prison se trouve juste en face du commandant. Casse de mitraille. Ah, c'est bon ça.
Montez cette échelle et vous trouverez le commandant Norris. Commandant. Allons voir qu'est-ce qui se cache en haut. Le commandant Norris se trouve à l'intérieur. Il semble que ce soit la seule pièce accessible. Norris, commandant Lynx, c'est un plaisir de vous revoir. Comme vous pouvez le voir, le manoir est en ruine et nous n'avons aucune nouvelle du général et des autres. Nous continuons de fouiller la zone, mais il semble que la flamme gelée ne soit pas ici. Êtes-vous vraiment le commandant Lynx? Vous m'avez l'air différent du commandant Lynx dont je me souviens. Vous avez raison, cet homme n'est pas Lynx. Veuillez m'excuser, monsieur, mais je ne crois pas vous connaître. Je suis Papajou, un hussard. Enfin, j'ai quitté l'armée il y a 4 ans. Papajou, un des 4 dévastateurs. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Je ne remets pas en doute ce que vous me dites, monsieur, mais j'ai peine à croire que cet homme ne soit pas le commandant Lynx. Il a l'apparence de Lynx, mais son esprit est celui de quelqu'un d'autre. Voilà qui est pour le moins étrange. Libre à vous de croire ce que vous voulez. Quel était votre rapport avec Lynx? Avez-vous appris quoi que ce soit sur la disparition du général? Vous nous rendiez un fier service en nous disant ce que vous savez. Très bien, je vais vous dire ce que je sais. C'est le commandant Lynx qui s'est présenté à nous pour indiquer la présence de la flamme gelée de El Nido. Étant originaire du continent principal, nous doutions de son existence même. C'est ainsi qu'on m'envoya dans l'archipel d'El Nido, mission d'espionnage. Je venais de la localiser dans le manoir d'Ophide quand j'ai appris que le général Ophide et ses hommes la cherchaient aussi. Je finis par être appelé à Palpori, et c'est alors qu'on m'a annoncé que la disparition du général Ophide et de ses hommes ainsi que la destruction du manoir. Ce n'est que récemment que j'ai eu vent de preuves indiquant que le général et ses hommes s'étaient rendus dans la mer Morte. La mer Morte est un océan situé à l'est et entouré de coraux. Il s'appelait naguère la mer d'Éden. Mais même à cette époque, personne n'osait s'y aventurer et nous avons inspecté le secteur en vain. Nous n'avons pas réussi à trouver l'entrée. C'est vous, commandant Lynx, qui voulez changer ce monde, haussé à l'aide de la flamme gelée? Vous rêviez un grand signal, Lynx. Silence. Ufa. Vous parliez de la mer morte. Cet océan s'appelait la mer d'Éden il y a encore 3 ans. C'est peut-être l'indice que nous cherchions. Une fois que nous aurions percé les plans de Lynx, nous devrions pouvoir les contrecarrer. Vous comptez aller dans la mer morte? Il est impossible de s'y rendre. Nous avons cherché une entrée partout sans succès, et personne ne semble rien savoir à ce sujet. Oui, je doute que vous puissiez y rentrer. Je suis sûr que les demi-humains de Marbul savent quelque chose à ce sujet. Mais ils ornissent les humains. Ceux du continent principal en particulier. Peut-être nous fourniront-ils un indice si nous allions les voir en votre compagnie. Dans ce cas, puis-je me joindre à vous? Je veux connaître la vérité. Je veux savoir si la flamme gelée existe vraiment. Et comprendre ce qui s'est passé ici. Et toi? Qui, moi? Obviamente. Je vais survivre à Signor Lynx. L'autre n'est clairement plus. Lui. Un navire militaire est amarré à Tormina. Servons-nous-en. Norris rejoint votre équipe. Ta-da-da-da!
Lynx a trouvé pilule. Pilotril. Thank you.
Certainement pas. Salut. Vous direz de goûter à mon ragoût? Enfin, ce n'est pas gratuit, voyons voir. Je sais, apportez-moi un champignon. Je vous donnerai le trésor si vous arrivez à m'en trouver un qui m'impressionne. Champignon. Si je vérifie dans mes objets et équipements. Objets. Allons-y.
Pourquoi est-ce bien autorisé à monter ce bateau? Galdor se lève. La médecine a ses limites. Je n'ai pas le pouvoir de la sauver. C'est pas vrai. Désolé, mais nous ne pouvons laisser entrer que les membres de la famille dans les chambres. Merci de votre compréhension. Nous avons beaucoup de visiteurs ces temps-ci, mais je ne suis pas certaine que ce soit bénéfique pour le village. Au fait, si vous avez des éléments dont vous n'avez plus besoin, je vous laisse chance avec des matériaux. Merci. Ted, vous venez du continent vous aussi? Je n'ai rien à vendre à Complaisance alors. Ne restez pas là. Les affaires vont mal depuis l'arrivée des navires marchands. Pourquoi les étrangers sont-ils aussi froids envers les demi-humains? Une chose est sûre, rien ni personne ne pourra jamais étouffer ma passion pour le travail. Bien dit, demandez une amélioration. Un aileron au mitré. Beaucoup.
Merci beaucoup. J'ai un casse d'affaires au lieu d'un casse de vitrine. Il est plus beau que je pense. Pouf, je suis sur les rotules. Ce type-là travaille comme un forçat. Je me demande comment il fait pour tenir le coup. Je ne suis même pas sûr qu'il fasse des pauses. Chef trop paresseux, moi de lui-même, mais pas fort. Chef pas être courageux du tout. Vous êtes au courant, un ancien artefact draconien appelé la larme de dragon se trouvait quelque part dans ce village. La mer morte se trouve tout à l'est d'ici. Elle est recouverte par un gros nuage noir tout au long de l'année. Le plus étrange, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'y accéder, car des corps toxiques entourent la zone. C'est un petit commerce ici, mais c'est l'endroit parfait pour te détendre. Le spectacle de la mer aux mers des nids, comment tu es magnifique. La beauté de la mer, de la nature, l'héritage du brillant divin, quelle source d'inspiration. Le semence sera bientôt balayé par des vagues du temps et disparaîtra tout jamais. Vous êtes des voyageurs, c'est ça? Avez-vous entendu parler du fragment d'étoiles? Le fragment d'étoiles? La mer près des îles de Triplette. Les habitants d'ici l'appellent le triangle del Nido. On peut trouver la jolie pierre en forme d'étoile dans cette zone, ce qu'on appelle les fragments d'étoiles. Même s'ils sont jolis, ces fragments ont peu de valeur, mais je crois qu'ils portent chance. C'est pour cette raison que j'en ai toujours une sur moi. D'ailleurs, ce triangle del Nido est un endroit étrange. En s'aventurant sous l'eau, on tombe sur une couche d'air dans laquelle on peut se déplacer comme la surface. C'est très étonnant. Notre offre est moins étoffe que celle en ville, mais nous avons des éléments rares qui pourraient vous intéresser. Je vais regarder. Bleu tempérament et les éléments de tout le monde. De statut sur les murs. Multiplie temporairement par un poisson les dégâts d'éléments. Tac, mental. Augmente temporairement votre défense magique. Diminue temporairement, augmente temporairement votre puissance. Annule temporairement les attaques magiques ennemies. Physique 99.
les attaques simples réussissent à 99% de probabilité. J'ai-tu couché quoi qu'il fallait pas, moi, là? Qui es-tu, l'ami de Kocha? C'est bizarre, ton visage ne me dit rien. Et pourtant, je me souviens de tous ces amis qui sont passés ici, quoi. Bien inutile de te prendre la tête. Cette maison n'est pas grande, mais fais comme chez toi. Mon fils est en haut, si tu veux le voir. Hein, qui êtes-vous? Faut pas rentrer chez les gens sans permission, quoi. Hein, Caribou, je connais personne qui s'appelle comme ça. Bon, si vous n'avez rien d'autre à faire ici, partez. C'est gentil. Vous n'êtes pas ici, ce que je vois. Savez-vous à quoi servent ces câbles? Je sais déjà. Vous le savez vraiment, je trouve ça un peu louche. Mais si c'est le cas, je serai plus simple. Ouais. Payez les 10. De rien. Vous n'êtes pas d'ici. Pour des raisons qui ne vous regardent pas, les étrangers ne sont pas autorisés à entrer dans la tour. Veuillez partir sur le champ. Pas de soucis. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!